Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Ce soir, man, dans le travail public, n'a pas formé nous. Et donc, nous. Il n'y a pas de monde qui va contre travail, c'est lui qui forme nous et puis c'est nous qui remettons le travail ça, arriver là. Je suis fier pour moi parce que je suis bien ensemble pour me faire un bel travail comme ça pour Haïti et pour me garder un bel artiste ça. Tu as pris fort notre travail là-dedans. Moi, je me sens très fier pour le travail là. Pour être capable de faire le travail ça, je me fais là, il n'y a pas de prendre temps. Il te prend moins deux semaines pour être capable de rendre dur, crépir, exactement. Et ça le dépend. Comme un technicien, je suis content encore. Mes problèmes sont venus et je regrette que le ministre de l'Adé, comme quitté, il comme pas fini, réjoui le travail là et continuer. Mais exactement, le monde qui est derrière, je suis content que le travail est là, c'est le même travail. Car il y a un mec pour Kembe nous, même il y en a d'être Kembe nous. T'as fait bon travail, exactement, à président, t'as marché, exactement, t'as remé pour t'as qu'un bédium, même j'en ai d'être qu'on qu'un bé. L'inette là est important, parce que l'op cassé, ça y va avec tes nains là, il a voulu dans le jeu, il est vraiment dangereux. Souvent, on ne peut pas mettre l'inette là, et risque, il prend ça. Parce que l'inette est très dangereux. Il est très dangereux. Parce que ces amis là sont bas, très coupants, très coupants. Depuis le volé dans le jeu là, et pas de chance. C'est ça que l'inette là important. Tout ça ouais, ou là net plus important. Bon, gon l'autre bagaille tout oui, qui est important dans le travail là. On t'a bien aimé message ça passé. Ya, séparateur ça, c'est des séparateurs mobiles. Il y a des machines qui rentrent sur là pendant n'a fait travail. Mais ce travail pendant la fête là, moun yo remet en pile. En pile moun yo félicite en pile moun. Ouais, même si monsieur là yo là, oh, yo content. Bien qui a demandé. Et il y a prêt pour rendre nos services pour nous montrer au métier. Je ne sais pas être dangereux. Ils ont venu en gros nègre, ils prennent et céramique, ils prennent tinset, ils prennent ciment, ils prennent graout dans machine tout bas et des fois venir ensemble. Nous font on dit la veille, nous dit bon monsieur, mais ça n'a fait. Si nous venons là montrer nos métiers, ensuite nous payer nous comme la pi propre. Nous pas besoin de combattre dans courir. Eh bien, tout le monde est honnête, il vient de bosser. Ça fait où nous travaillons, nous finissons place Hugo Chavez ça. En pile l'autre côté encore. Tant qu'on travaille, nous faisons grand ville. Il travaille, nous faisons dans Tibois. Les nouveaux jeunes sont vraiment intéressés, monsieur. Travail céramique, lui-même, son travail. Et travail céramique, en soi. Et ça nous utilise pour faire, pour mettre dans le cas, pour faire tôt, on sait des bagages. Ça aussi, et carré, les faits. Les gens qui apprennent carré, là, je fais. Mais ça n'est pas un rapport à carrelage vraiment. Parce que carrelage est purement géométrique, ça n'est purement artistique. Ou bien forme à respecter, ou bien couleur à respecter, ainsi de suite. Non, en plastique, et comme si c'est l'homme qui a dominé sous quelqu'un soit matière. Comme ça, son matière, nous dominer sous lui. Nous faisons avec, ainsi de suite. Et toutes les fois, et une matière forme, c'est en plastique. Parce que là, c'est savoir-faire pour la forme, pour créer cette cité. Et céramique, c'est matière. Là. Dès n'importe qui matière. Nous travaillons torsel, nous travaillons tabac, nous travaillons plusieurs côtés. Nous avons une association que les Ligbat. Et nous produisons ça. Nous produisons un pile jeune. Qui est-ce qui a fait tableau, qui a fait statue, roche, bois, fer. N'importe quel médium qui a fait un travail, l'État ici. Programme ça, et nos tendances. Programme ça est l'ethnotendance. Son un programme bureau national ethnologie mêlé ensemble avec et travaux publics et ministre Joassé Snader que m'a salué parce qu'il était comprendre métier là. Nous avons des jeunes parmi nous là et qui tout va apprendre métier à même parce que c'est ça nous toujours assurer moi même j'ai savoir faire déjà mais chaque travail moi fais toujours assurer que gain deux soit trois jeunes qui viennent gagner métier. Parce que pas gagner ici, ok? Et puis tout, il est difficile pour vandaliser un œuvre comme ça. Moi, j'ai écrit projet ensemble avec
Francisco Silva et puis et Joseph Oberson. Donc nous écrit li, nous proposer li, parce que après tout, avant tout, c'est Bionational Ethnologie qui gagne idée. Parce que Bionational Ethnologie habite participer. Moi m'habitue travail Bionational Ethnologie dans genre de projet ça. Place Hugo Chavez en 2015 c'est un exemple. Donc ça lui même c'est continuité à son travail et lui manque bras parce que l'écouter tout travail qui coûter en pile. L'on calcule et mettre céramique. Parce que voilà, si on fait un travail géométrique, ou qu'on connaît, dans 2 mètres, mais combien de céramique, on a besoin. Mais là, par exemple, on a cassé céramique, on a une forme, qui peut servir, qui peut le jeter, et tout, on a récupéré. Donc, il prend pile, il demande un pile matériel. Ce travail qui est vraiment belle, mais, et, bon, comme nous connaissons, ministre Joassé Islander parle encore, est-ce que, bon, bah, on est. Ça a libado, mais moi je ne peux pas dire plus que ça. Même tu as bien aimé, les continuer. Qui te dit bien vite comprendre et qui bien aimé. Surtout le temps de lui dire, nous avons un mélange des jeunes qui là, chant masse, des jeunes. Et bon, on est. Le plus souvent, les gens sont vulnérables. Ils sont vulnérables. C'est pour intimider, je ne vais pas mentir. Les jeunes sont vulnérables. Ils ont besoin de corps. Ils ont besoin de domaine, mais ils ont besoin de corps tout. Les gens viennent sous moi. C'est quoi bien demandé. C'est-à-dire, moi en face, une gestion de matériel, de boss pour me payer, en même temps tout. Et des gens savent parce que l'arrière a un langage. Il y a des gens qui passent dans la machine, ils ont campé. Ils ont dit, monsieur, on a fait bon travail pour payer. Et on dit 80% de gens content ce qu'a fait là. Et 20% de gens tout, ils ont plein, ils ont dit, gardons un bel travail. Et c'est t'as le temps de l'écraser, l'écraser. Mais moi je me dis on pas quoi parce que nous prenons pile brimade et place Hugo Chavez toujours là moi je bien apprécié après toi ici qu'on a apprécié vous comprenez ici qu'on a apprécié ah. Et c'est un bail qui c'est mettre qui plus proche ici domaine artistique parce que chaque haïtien qui a pratiqué un art bon second bail me dans média moi qui kembe zam nous un premier bail qui gagne qui problème qui fait le kembe zam là ça est premier bail. Deuxièmement, moi me dis nous ça, on travaille Tibo, on travaille Gravine, on travaille tout dans base pilote. Lovin, ouais, l'on porte métier, moun yo content. Parce que travail ça moi commencer là avec des ONG pour concerne et moi le checker l'autre ONG toujours parce que j'ai besoin barrer pour continuer. Avantage moi tout côté malé moun yo content. Jeune yo content prend métier. Yo prend là avec une facilité. OK? Et gagne tout qui relève qui écrit sur Messenger. Qui est en non ça fait ou qui est en jeune cop gain qui est en traverser l'autre côté l'autre pays qui a voyé photo travail sans satisfaction les moi gain avenir des fois nous on dit Haïti son pays sensiblement agricole mais comme pour le moment agricole là nous poko set up sous lui mais au point de vue artistique nous capable travail ça qu'a fait là rentrer dans cadre et vision. Ancien ministre VTCA, en l'occurrence ingénieur Nader Joiseus, c'était pour nous te bailler pour au prince une autre figure. Nous disons pour nous, mais c'est même projet qui a continué. C'est ça que faut, malgré le ministre va là, c'est le travail qui a continué là. Et côté nous avons fait des travaux, génie civil, mais il y a des travaux d'embellissement que le ministre a souhaité pour nous faire tout partout côté nous intervenir dans port au prince. Nous avons commencé dans le quadrilatère là, que nous sommes censés achever, et puis nous avons avancé vers d'autres rues dans la capitale là. Travail nous constater là, nous avons un bacal au sol, côté nous avons un terre central, côté nous planter des plantes ornementales, et puis ensuite pour un design qu'a fait. En gros, c'est ça, c'est vision ministre qui toujours a visité. Régulièrement, nous avons un camion de l'eau, nous pouvons faire arrosage. Deux fois par jour, matin et après-midi. Mais les lapis tombés, la pluie a tout fait lui-même, mais les lapis pas tomber, c'est nous-mêmes qui en chargé pour nous faire arrosage. Premier côté, nous avons commencé avec lui, c'était dans le bord pour se des contre la rue du Champ de Mars. Et nous avons de la Réunion, nous planter en pile vieux bois. Nous avons pour nous faire la rue Saint-Honoré. Disons, plus bas, par zone de l'hôpital, on a planté là-bas là tout. Et nous faisons devant parler à l'avenue de la République.
côté gazon qui était là déjà, une partie qui était défectueux, nous remplacer lui, nous réparer normalement. Et nous avons continué pour nous avancer. Ce chantier qui a commencé, c'est nous avancer, nous avons continué pour nous finir jusqu'à dernier coup de tirol. C'est de vous et ministre son Edouard, c'est ancien DG qui montait ministre. Il a dit même collaboration que tu as gagné pendant tes DG, pendant le ministre d'être là, c'est même collaboration que nous avons gagné avec l'actuel ministre PTC. La situation d'incertitude à côté de nous, parce que et tout pouvoir l'État, les trois pouvoirs, ils sont censés bancal. OK? Ou que pouvoir judiciaire là, SPJ, et avant même qu'on vienne SPJ, ou joindre la Cour cassation qui bancal, qui manquait en pile juge, dont président, et parmi que c'est président et Cour cassation, c'est lui-même d'office tout président c'est SPJ. Donc pouvoir ça, comment pour remplacer un président en cassation, procédure pour nommer là, c'est le président de la République qui pour nommer et président en cassation. Ok? Donc pour gagner ou non un beau client, ou non confusion totale, côté que pas bien aucun dispositif légal et constitutionnel pour trois pouvoirs ça, pour dire que ben, comment on va le remplacer. Quelle façon que le pays a gagné là, donc pour on pouvoir exécutif bon, qui est bicéphale, donc nous avons seul branche là-dedans, qui c'est gouvernement. Donc c'est seule possibilité qu'il y a, c'est pour que le gouvernement qui est en place, le gouvernement de fait, de facto ou pas, qui pour le plus vite que possible mène les pays à dans l'élection, c'est seul à travers l'élection qu'on peut résoudre le problème. Donc pour quelqu'un de élu, non seulement on a bien de monde qui que pour que le pays a voté, on a bien président, on a bien au parlement qui monte, et le parlement avec la présidence, l'autre pouvoir qui découlait de second degré, qu'on a gagné en Sénat qui va désigner deux membres pour compléter le juge non pour cassation qui manquait, et de juge la pour cassation. Donc là, on finit nommé par président, on va gagner PSPJ qui est capable de monter normalement, genre constitution qui est en vigueur là, prévoit. Donc tout autant que c'est pas dans l'élection où aller, et incertitude ça, problème cacophonique là, l'État qui est dans la rue, parce que institution yo, démocratie, il fonctionne à partir de l'institution. Est-ce qu'une cas du pays à son pays démocratique nous risait nos cafons vraiment de l'histoire? C'est inédit que trois pouvoirs, tous les trois, pas là en même temps. Ok? Nous sommes capables de dire ça. Donc, on parle de monde qui sortit, qui de monde qui sortit dans l'élection, que population a voté, et qui prend. Parce que pouvoir judiciaire, là, son pouvoir, nous sommes capables de dire que le monde a choisi au second degré, c'est à partir de l'élu. Sénateur, nous choisissons de monde qui pourra le faire dans la cassation et président qu'on choix sur liste parce que chaque poste a pouvoir, il y a mis trois mondes et président de la République l'a gagné pour le faire au choix. Donc c'est à partir de élu. Est-ce que moi on pile groupe de schéma parce que nous t'es fait pays à nous t'es plongé le nom instabilité ou après l'embo président, opposition qui fait tout 4 ans mandat la protester, à bataille. Chaque semaine, il y a un papier à signer. Chaque semaine, il y a une sortie de crise. Il y a une proposition. Et là, l'ambon président arrive, à la vérité, il n'y a pas rien comme proposition de sortie de crise vraiment. Il y a une devant état du fait et il n'y a pas capable de sortir. Il y a tout mêlé. Et jusqu'à présent, Donc, seule façon, pour le monde, il y a une autorité pour investir d'autorité souverain. C'est souverain pour élire. C'est dans l'élection pour aller, pour gagner légitimité et problème que le pays a fait face à. Ok? Problème de sécurité, nous on a parlé de ça. Et presque 5 départements, et ou pas qu'à y accès avec facile, pas avec problème et gang armé qui gagne en amortissant. Donc, ils étaient toujours associé avec le président de la République, président assassiné, c'est qu'on y a entendu que mon a kidnappé mon. Et on est entendu que toujours des machines qui n'ont pas passé. Et population pour Carrefour n'est pas capable d'acquérir l'occupation librement. Mon matisse toujours des
de monde qui abandonné la caillou qui pas capable rentrer. Donc tout problème ça yo pour faire yo pour résoudre problème politique là d'abord qui pral adresser problème économique yo, problème social yo, problème de sécurité yo, c'est de monde qui gagne légitimité que peuple habite. Donc bon gouvernement du fait et gouvernement ça a une obligation pour résoudre pour arriver pacifier pays là avec problème de sécurité qui gagne pour monde capable circuler, résoudre problème conseil électoral qui gagne, fait que gagne plus participation, c'est deux problèmes à pour l'adresser et n'apprendre que gouvernement ça li baille une feuille de route pour que chaque ministère que gouvernement en soi nous connaît que et qui mission que le gagne et qui durée que le bail tête li dans combien de temps que y a mené population en élection pour résoudre problème ça, problème de stabilité. Pas capable mon pays qui est aussi instable que toute institution crasée la donne. Donc qui est ça fait qui quoi ou pas connaît qui fait quoi. Donc on pense que il est le temps pour que nous penchons à problème ça et gouvernement ça, gouvernement provisoire ça qui là, il y a responsabilité pour que le plus vite que possible lui présenter by nation un plan que le gagne que la exécuter et avec durée qui doit rester. Le gouvernement ça li pas gagne mandat et pour même moi que de bon m'en pas répéter de ça de quelques pays dans la communauté internationale là. Donc gouvernement ça président de la République là c'est gagne pour mandat finir le 7 février 2022. Et gouvernement tap travail et peut-être ça qui est nommé premier ministre Ariel Henry qui connaît que mission qui mène pays à non élection pour que il y ait de élus qui viennent remplacer qui viennent comme président comme député sénateur magistrat tout ça le monde que mandat au fini pour que de véritables monde qui sorti dans élection qui ont mandat qui mandaté pour remplacer donc mandat président a fini 7 février 2022 m'a croire que le gouvernement ça est capable d'aller au-delà. À la rigueur qu'il est capable de prendre, ils ont 2 mois en plus. Mais même pour moi-même, je pense que 7 février 2022, il faut qu'on groupe de monde, femmes et garçons qui sont sortis dans l'élection, qui est véritable élu, qui vont aller. Donc le gouvernement ça là, il y a deux pays qui toujours dit que c'est deux pays amis. Il y a quelques minutes de pays d'Haïti. Donc, moins que 2 heures de temps. Donc, ils ont voulu, si vraiment ils ont volonté, que Haïti, c'est des amis, donc, question de sécurité, ils sont capables, dans 2-3 jours, aider nous résoudre le problème de sécurité d'hier. Gouvernement, ça, il méritait de moyens, tout, ok, pour le capable, question sociale, ils ont conseillé de zones défavorisées, pour capable vraiment monter, ils ont un plan qui est capable d'aider Mounzaïo, qui est très vulnérable. Donc, vous pensez ça, tout ça, tout, bon. Pour nos gouvernements en mesure à travers le ministre Affaires étrangères, coopération, ministre de la planification de la coopération externe, pour être capable rapide proposer de plans à l'international là, puisque il y a une légitimité et une reconnaissance au niveau de la communauté internationale. Il faut qu'ils pas seulement contenter de reconnaissance que reconnaître au gouvernement, mais il faut qu'ils aident le gouvernement à tout. À résoudre certains problèmes qui pas capable résister un gouvernement qui légitime qui est légal qui constitutionnel qui monte problèmes ça faut que commence pas lier et faut communauté internationale là bah de appui à gouvernement ça il faut gouvernement ça tout mettez garçons sur yo femmes sur yo pour adresser problèmes ça avec pour discuter avec communauté internationale là j'ai Jean président habitué dit je ne veux dire là dit Papa ici, nous prenons notre trappe. Ariel Henry. Ariel Henry. Manigesse. Nous coup d'état. Quoi papa ici, réunis, ministre là, pour entrer tout décret. Président Jovenel Moïse fait pour le peuple là. Et nous comptons combien de millions de dollars. Nèg, ça y est, à voler, les caisses d'art. Et nous demandons, papa ici, pour nous mobiliser. Pour nous barrer en haut, barrer en bas, jusqu'à nos balades. Parce que, mes amis présidents de la Moïse, avant de 20 jours là, depuis le mourir, pour nous dire, quand on a rentré de créer de capacité, nous disons ça. Nous-mêmes, pas haïtiens, nous mobilisons,
dans quatre compagnies là. Dès les jours à venir, nous avons une compagnie de prêts pour nous bailler mon d'ordre, pour nous bailler tout le monde. Jovenel, vite choisi, éclairer ce peuple là. Jovenel, coupez coutra. Et les secteurs bourgeois salopio, pour ça, ils mettent 20 complots avec blanc. Je vais vous assassiner. Je vous dis, je dis à peu près ici, dans tout le pays là. Nous allons lever le campé pour nous demander justice pour Jovenel. Yes. La justice haïtienne, pas capable de justice. Des sièges, pas capable de nous. Nous allons aller à la justice. Ça, ça nous allons mourir. Si reste ça, Jovenel a vu la justice. C'est pour ça. J'ai eu l'honneur de présider au premier conseil des ministres de ce gouvernement. Et à cette occasion, j'ai présenté au gouvernement la vision globale et les priorités du gouvernement pour la période intérimaire allant de maintenant jusqu'aux élections. La mission de ce gouvernement est de préparer les conditions pour qu'on ait des élections le plus rapidement possible, des élections libres, honnêtes, transparentes, avec une large participation de la population et un gouvernement qui s'en passe pour qui. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui n'aura pas de favoris ou de gens qu'il favoriserait. Pour nous gagner un environnement, ça, nous avons besoin de sécurité tout partout. Nous avons besoin que tout le monde ait une libre circulation en d'un pays. Il nous faut restaurer l'autorité de l'État, rétablir la confiance dans l'administration et dans la justice, avoir une stabilité sociale, respecter les droits de la personne, et ça, si nous voulons surtout nous changer de façon nous gagner relation les uns avec les autres. Pour cela, nous voulons qu'il y ait un dialogue permanent et structuré au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de la population. Et dans le dialogue structuré, ça, il y a un nombre que nous avons cherché, nous avons cherché un consensus pour que nous arrivions à un accord entre la force politique, la société civile, dans le meilleur délai. Yon leitmotiv gouvernement ça et que président Jovenel t'a dit que nous devons gagner, c'est la réconciliation et l'unité de la famille haïtienne. Nous avons refus de l'exclusion et nous voulons faire un nouveau modèle de gouvernance transparente et surtout sans corruption. Nous allons rechercher le bien-être de la population, car la sécurité sociale, la lutte contre le chômage est importante, même si c'est pour une courte durée que nous sommes là. Nous avons dit nous tout que pendant la semaine ça, nous fait plusieurs rencontres. Nous fait plusieurs rencontres avec la communauté nationale. Tout d'abord, nous déprenons engagement pour nous déprenons bâton de pèlerin ouin pour me recommencer à ouais acteur qui dans la vie politique mais aussi dans la vie socio-économique pour nous construire un large consensus pour nous arriver à un accord politique pour que nous gagnions une gouvernance, ça veut dire une gouvernance apaisée, il y a moins de monde dans la société et que nous gagnions organiser de très bonnes élections. Moi, rencontrer plusieurs organisations, sociétés civiles. En particulier, moi, rencontrer des acteurs de la société, du secteur économique. M'a continué avec des rencontres avec des acteurs politiques et d'autres rencontres arrivées faites dans les jours qui viennent. Les discussions jusqu'ici sont difficiles, mais constructives.
le dialogue reste le maître mot de toutes les actions que mon gouvernement va entreprendre pour réconcilier la nation haïtienne. N'a pas continué avec mon gouvernement moyen et tout secteur dans la vie PIA pour nous capables de retirer, éliminer tout irritant, tout bagaille qui a empêché pour nous arriver dans un bon accord politique pré-CPC pour nous capables de faire élection sans passeport. Nous entendons qu'il y ait une poursuite de l'enquête concernant l'assassinat crapuleux et odieux du président de la République. Nous entendons à ce que tous les commanditaires, tous les auteurs de cet assassinat soient traduits en justice. C'est une affaire d'État et quel que soit côté Mounsaoïa, n'a pas le poursuivio et n'a pas mené au bail la justice. Nous bien composés. Nous faisons tout le bien. Nous déjeunons dans la chimie. Après ça, tout le monde était basé bien. Physique, je vais le faire anglais tout à l'heure. Bon, pour moi, examen, je ne vais pas définir comme examen. Parce que je suis très bien composé. Tout le monde était normal. Oui, je vais tout le programme net pendant l'année. Matin, je vais faire physique. Je souhaitais pour me passer, pour me faire un pile point, voilà, pour me réussir. J'ai examiné pas trop mal, grâce à Dieu, pas plus mal. Je vais faire tout le monde très bien. Oui, je vais faire tout le programme pour l'année. Je suis aussi dans le collège, je vais boire Pierre-Louis, bouc champagne. Pour un jour, je vais souhaiter pour tout le monde bien passer, pour nous tous. Si mon département l'ouest, je vais souhaiter pour nous tous passer. Tout. Nous, dans le collège méthodiste de frères, c'est à Delma 95. Et comme nous connaissons semaine ça, c'est examen bac unique, à savoir côté que Timonio gagne pour passer pour samedi bac unique, c'est parce que y a pas gain pour reprendre selon le ministère là. Et puis y a commencé à composer depuis lundi matin et moi répondre positivement parce que depuis le premier jour on senti que y a pas d'examen. Mais comme on connaît tout le monde n'a pas la même capacité, donc là-dedans, on est capable de faire des plein, mais en gros, moi, je suis composé et je garde le calme, je viens régulièrement à l'heure, donc jusqu'à présent, ce plan a avancé avec toute santé aptonne, à savoir et bonne disposition. Tout va bien parce que et le ministère a été voué quelques cachenés, mais le candidat a été gagné un cachené par eux. Donc ça n'a pas gagné, nous distribuer par eux. Et nous, jusqu'à présent, ils ont respecté, tout ça, le règlement. Et dans chaque salle, il y a environ 24 candidats. Donc nous avons suffisamment d'espace pour accueillir eux. Yo même tout, yo senti yo à l'aise, yo confortable dans ce sens-là. Bon, généralement, bah, ça a fait cas par cas, mais nous n'avons pas aucun problème dans ce sens-là. Nous accueillons tous les candidats et nous n'avons pas aucun problème. Au contraire, dans certaines salles, nous avons 24 sur 24 et dans d'autres salles, c'est 21 sur 24. Donc, nous n'avons pas pile cas d'absence et nous n'avons pas aucun problème avec les candidats qui sont venus régulièrement. Bon, je souhaitais que j'aurais commencé à vous finir. Puisque moi, je suis composé avec un peu de disposition, je pense que j'étais préparé en ce sens. Moi, je pense que tout a bien passé et je souhaite un bon succès. Les amis, ce n'est pas tellement bon, non? Parce que je n'étais préparé pour l'IA. Ce n'est pas comme ça que je venais. Mais quand même, moi de cas, je m'assez bien. Ça m'a souhaité que dans la corruption, pour faire une amélioration pour nous, malgré tout le programme, parce que nous connaissons un pays tête en bas lié. Alors, je ne le programme même. Alors, c'est fort PAM qui vient composer là. L'État corrige fait pour les baccalauréats, parce que je ne prends pas ça pour corriger fait. Ils ont toujours été là, quitter nous en permanent.
chaque année on fait nous venir dans examen, il va jamais corriger fait yo bruit. Examen pas trop mal pendant jour ça, pas trop mal. Même si tu corriger, nous composer à face à courage nous. Même dans cette corriger fait yo. Examen est bien déroulé. Depuis que tu commencé lundi à 7 minutes, tout se passe bien. Examen à la portée des candidats. Donc pas gain en rien comme remarque, comme inconvénient, comme irrégularité, tout est bien passé jusqu'à présent. C'est recalé permanent qui concerne à 3 filières, SVT, SMP, SES. Ambiguïté, difficulté de gagner, c'est à travers la liste de présence. Vous savez bien que quand il s'agit de recalé, les élèves doivent composer dans les matières que notre été retenu pour eux. Dans la matière qui n'est pas retenue pour eux, maintenant il a composé. Voyez-vous, les matières qui étaient retenues pour eux, il va composer là-dedans. Maintenant, une erreur a été enregistrée à l'endroit du ministère. Côté que l'histoire a été dressée, maintenant tout le monde n'a pas gagné pour reprendre dans telle matière. Et puis mettez reprise pour toute matière pour eux. Ça a été suscité, ça a été engendré effectivement des murmures. Vous voyez, maintenant j'ai été obligé de voir un dirigeant pour lui en faire part. Donc je crois que lundi après-midi, le ministère m'a appelé pour me dire que donc, tout élève qui n'a pas gagné matière à reprendre, même s'il gagne R devant lui maintenant, il n'a pas besoin d'inquiéter, donc il a toujours conservé. C'est-à-dire que matin maintenant, il voit une liste normale qu'on y a matin. Qui bien reflété à toute matière dans lesquelles que Timounan pourrait prendre. Bon, nous connaissons que l'année a été tellement difficile, donc l'année a été chambardée politiquement, etc. Donc les vieux viennent composer là, ils viennent composer bien, ils ne sont pas stressés. Donc d'un côté que continuer sur le même lancer, puis continuer à composer, puis on réussit quoi. Bon, examen pas jambe facile, ni pas jambe difficile, juste. Mettre intelligence sous dehors, travail, et puis tout bail à 7. Mais ça me da souhaité l'État apprendre à choisir l'examen. C'est pas examen pas comme si c'est intelligence seulement. Il faut que je sache que je travaille. Ou sacrifice de pas passer en vain. Normalement, je suppose bien composer parce que je travaille pour ça. Mais je suis tout voyant, comme si je suis capable de dire un message pour erreur à PDF, comme si je suis fiché. C'est pour moi-même subir de ça. Par exemple, moi j'ai fait SVT, les mal prend fiche moi tombé dans SES. Donc les mal comme si l'école moi directeur l'école moi arrangé ça ou dit désolé ba ça. Ça vient faire même moi subi. Mais m'a demandé comme si pour mon au niveau mon qui responsable examen puis gérer ça pour nous s'il vous plaît. Jusqu'à présent, tout bagaille a pas avancé très bien. Nous sommes le troisième jour et à l'heure où nous parlons, nous avons les élèves en classe pour le dernier examen de la journée. Non, pas gagné un incident majeur, sauf que matin en premier examen, Timoun yo était vraiment et émotion était montée haut parce que pas de bail assez l'heure yo était travail. Donc c'est peut-être ça seulement nous avons comme incident, nous t'es capable de dire apparemment qui était plus ou moins considérable. Non, pas gagné difficulté, donc examen yo à la portée et Timoun yo a avancé très bien. Bon, nous souhaitons que ça continue à aller même gens et même mieux par rapport à l'autre jour. Et pour nous et Timounio, il était vraiment bien volonté. Il a tapé l'examen parce que même absence, presque toute salle est remplie. Ancien Premier ministre Evans Paul invité acteur politique au prochain dialogue pour faciliter la transition. Evans Paul croit c'est dans une ambiance vive ensemble, pays a sorti dans la situation. Il trouvait le journée jeudi. En écoutez, Evans Paul. Il y a deux bagages pour nous considérer. Nous obligés de considérer obligatoirement la succession de M. Jovenel Moïse sur deux plans. Il y a une succession intérimaire, c'est la dernière nous là. Et pour il y a une succession ouverte, démocratique, qui doit être faite dans l'élection. C'est pour nous, ça a eu, c'est le même qui là. Est-ce que selon vous, docteur Ayari, il a le moyen de sa politique pour le renouveler fait travail que nous voulons le faire? Non, personne n'a pas moyen politique. Ou l'État en lambeau, ou une bonne institution qui désorganisée, désarticulée,
quel que soit le monde qui est sous pouvoir, je dis, il faut considérer comme un soldat de bonne volonté. Et il faut nous considérer comme tel pour nous avoir volonté et délai. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que nous montrions vraiment qu'il n'y a pas de volonté à aller de l'avant. Mais je dis, c'est un combat pour nous faire pour nous retirer Haïti dans sa lière. Une personne que relaie Dr Ariel Henry ou l'autre, pas de moyens politiques, parce que moyens politiques là, chita sur la force et la capacité des institutions à agir. Moi, le parti d'opposition qui a même quelques fuckman là où, j'aimerais me monter et faire un accord politique, de les acteurs au niveau de la société civile qui continuent à faire un compte, même un compte qui peut voir sur ça pour faire une proposition, parce que quoi, Jean-Marie est là, le pape mène vraiment vers la stabilité. Quand on se situe moi-même, il y a parlé de de facto, de consensus, ce sont des mots. Et là, d'ailleurs, il y a un bagaille qui charrie. Je ne sais pas qu'on a fait transition en mettant transition. Moi, je pense qu'il faut renforcer les transitions qu'on a fait là. Je pense qu'il faut un contre-pouvoir. Le fait que par un parlement, société civile, là, parti politique qui travaille, pour gagner un contrôle sur ça, équipe, monsieur, docteur Ariel Henry après le faire. Et il est capable de tout intervenir dans la formation conseil électoral provisoire. Il est capable de garder qui agenda réaliste. Monsieur Henri pour le mettre, parce qu'il y a des choses qui sont urgentes. C'est vrai qu'il y a une urgence politique pour faire élection, pour créer sécurité, justice. Mais il y a un bout à tout. Il y a une misère à tout. Et je dis à les gens qui sont dans le pays d'Haïti, je dis qu'ils toujours bien couru nous. Et les gens qui sont dans le pays, ils ont un effort pour nous faire pour que le peuple ait un soulagement. Si le peuple n'a pas aucun soulagement, il n'y a jamais de conditions pour nous faire la démocratie avancer. Nous dépendons de visite Daniel Foutla, comme on voit, est spécial, dans le compte du Féo. Ça casse bien en Malaï, sinon? Bon, les États-Unis sont puissance liée. Ils ont responsabilité au même moral dans ce qui passe en Haïti. Mais les États-Unis toujours dépassés par ce qui passe en Haïti. C'est ça qui fait de temps en temps voir le monde. Et moi, je pense qu'il faut faire très attention. Par exemple, il était pensé qu'il faut une élection faite en septembre. Mais tout haïtien, pour une élection pas faite en septembre. Et là, on a parlé d'élection. En plus, on n'est pas d'accord avec le projet président Jovenel Moïse pour le faire un référendum. Moi-même, j'ai eu un désaccord sur le texte que j'ai proposé. Mais moi, je crois que j'ai un problème constitution proposé. Le protecteur citoyen, M. Renan Edouville, qui encourage l'autorité concernée pour avancer avec une série de dossiers pour référendum et élection. M. Renan Edouville souhaitait toute cette en vie nationale là pour te connaître dans l'idée pour référendum et élection capable de réaliser. Lui dit que c'est un moyen qui permet de payer pour un route de développement. Mais René Edouville, tu es toujours un micro, Midra Emilias, avec Maxo Joseph. On écoute. On connaît qu'il y a des chantiers que les chefs de l'État, même qui travaillent, et qui ont des bagages qui appartiennent à l'intérêt national. Entre autres, il y a la question du référendum. Depuis pratiquement près d'un an, le processus a été déclenché. Donc, le comité consultatif indépendant qui élabore une grâce de documents, et le document qui était soumis à l'appréciation de plus d'un. Il est de bon ton et c'est même un impératif de l'heure et bien pour que le chef de gouvernement, le nouveau premier ministre, le numéro 1 en d'appelant journée Jodia, et bien pour que l'on prenne les dispositions pour pouvoir avancer à la question ça. Il faut que les consultations continuent, il faut que l'on entre pour parler avec les membres du comité consultatif indépendant pour que nous capables d'arriver à renforcer le régime juridique haïtien, renforcer l'arsenal juridique haïtien à travers une nouvelle constitution. Alors pour qui ça que l'on se tient à ça, eh bien c'est parce que je viens de dire, le constat et si nous faisons analyse, nous avons vu la constitution de 1987, il fait chemin. Plus de 30 ans après, eh bien il fait temps. C'est une constitution qui peut encourager l'instabilité politique. C'est une constitution qui encourage la mauvaise gouvernance, c'est une constitution qui encourage la corruption, surtout lorsque par exemple le chef de l'État vient pour le nommer, le premier ministre est obligé d'entrer dans la tractation au niveau du Parlement. Donc, alors que dans certains autres pays, c'est très facile lorsque le chef de l'État est nommé, et bien il est élu, et bien automatiquement à moins de 24 heures du temps, et à moins de 48 heures du temps, et bien l'équipe gouvernementale vient d'abonner. Nous-mêmes, en Haïti, ça nous sommes vivants pendant les 10 dernières années, on voit que, eh bien, c'est toujours un bingo entre l'exécutif et le pouvoir législatif. Et ça qui est à la base de Manessa, eh bien, c'est l'application de la mission de 1987.
Donc c'est pourquoi même le peuple de Nigeria, on a besoin d'une constitution qui est capable de prendre en compte l'équilibre au niveau des trois pouvoirs. Nous avons besoin d'une constitution qui facilite la bonne gouvernance. Nous avons besoin d'une constitution qui prend en compte les droits de tous les citoyens et de toutes les citoyennes, notamment les gens qui vivent en dehors de l'IA, notamment les gens qui sont dans la diaspora. Nous avons besoin d'une constitution qui permette aussi les Haïtiens vivant à l'extérieur et bien qu'on soit impliqués dans l'affaire politique. C'est-à-dire pour avoir le droit de vote, même si on tout Haïtien, pour apporter nos candidats à tous les postes, à tous les niveaux, normalement, parce que c'est le principe qui garantit la déclaration universelle des droits de l'homme dans l'article 21. Et troisième point que nous évoquons dans l'État, c'est justement la question des élections. Nous pensons qu'il faut que nous déclenchions le processus, il faut que le processus est déjà déclenché, mais il faut que nous accélérions le processus pour que nous soyons capables de renouveler le personnel politique, pour nous capables de gagner, s'attaler une certaine stabilité dans le pays. Donc il faut qu'il y ait des élections crédibles, honnêtes, transparentes et en toute liberté, et bien pour que les citoyens en Haïti, citoyens à l'étranger, capables d'en prendre de voix plutôt, choisir, nous que vous voulez, mettre dans tel pays, et ça va permettre que nous ayons une stabilité politique qui va faciliter le respect des droits humains, la jouissance de l'exercice des droits humains, mais aussi faciliter le développement durable dans le pays. Examen baccalauréat et après poursuivre dans tout pays. Pour troisième journée, mercredi 28 juillet 2021, candidat yo composé en physique, anglais ou bien espagnol avec mathématiques. Donc on dit Rachel Saint-Fort avec Michel Joseph. Examen baccalauréat déroulé sans trop de difficultés dans le centre lycée national Pétionville pendant troisième journée, d'après une responsable Saint-Lan. Troisième jour, nous déroulé comme deux premiers jours assez bien. Mais jusqu'à présent, ça marche assez bien. Et tout se passe comme à l'ordinaire. Il n'y a aucun cas vraiment imprévu à signaler. Tout candidat qui était là depuis le premier jour là continue de venir régulièrement. Bon, jusqu'à présent, pour le troisième jour, on a battu de plein vraiment et puis plus ou moins terminé dans l'intervalle que le ministère a été fixé pour examiner fini. Donc ça t'a dit que le texte là, normalement, était à la portée. Yo. Pour le jour, on a distribué kit par les vieux et cachené, sanitizer et puis le texte, heureusement, c'est dans enceinte locale, ça même bureau pour distribuer l'examen. Donc, tout le bagage passé très bien. Plusieurs candidats qui ont subi prévu expliquer l'examen dans le niveau. Pendant que fait qu'on est, c'est monde qui prépare qui a réussi l'examen. Pour troisième journée, un candidat est composé dans physique, mathématiques, anglais, espagnol. Tout le bagage est normal, l'examen est bien composé. Depuis le travail, nous connaissons le travail l'école là. C'est lui-même pas un bagage qui dit passer ça. C'est le chimie qui donne un bagage, mais tout le bagage est bien passé jusqu'à présent. Examen pas rien, dès pour travail seulement, on a réussi quand même. So, tout le monde, même gens avec le travail. Et puis je souhaite tout élève, tout ça qui vient après succès. Le premier juin, pas bien passé. Le deuxième juin, au niveau du deuxième juin, j'étais un petit peu amélioré. Mais pour aujourd'hui, je dis pas mal passé, non. Dans le ciel, je vais continuer à bon avec mon bon. Aïe de mes CV, tu vois le bon, si ma passe avec si ma passe. Bien fait bio, bio-géo avec les sciences sociales. Le diante fait philosophie avec chimie. Josiane fait physique. Je suis bien proposé, je suis préparé. Même là, tu as un problème dans le pays, il y a tout le bagage, je suis bien passé. Pour dernier journée, élève a fait mathématiques, créole, physique, espagnol. Examen baccalauréat à bout jeudi 29 juillet 2021. Ancien première dame république là, Martine Joseph Moïse qui était PIA mercredi 28 juillet 2021 pour aller dans le pays États-Unis. 5 jours après, il était fin assisté enterrement président Jovenel Moïse qui mourit assassiné dans Kaili dans Pèlerin 5 dans date 7 juillet 2021. Selon information qui est disponible, ancien premier dame république là voyager ensemble avec petite Lio dans quatre voyages ça, Martine Moïse a bien pour continuer faire thérapie à cause du tessibi dommage pendant l'attaque qui était touillé président Jovenel Moïse là. Et puis funérailles militant politique Marie-Antoinette Duclair chantée samedi 24 juillet 2021 dans l'église Sainte-Jeanne dans la commune Chantal département Sud Pays. Marie-Antoinette Duclair, qui était porte-parole Matrice Libération, mourit assassinée ensemble avec un journaliste Diego Charles dans rue Acacia, zone Crissois, dans la nuit 29 pour arriver 30 juin 2021.
famille ak zami défaillant tal rann li yon dernier hommage et puis profiter rappeler détermination pour défendre cause catégorie moun qui plus nan nécessité yo. Ancien député Kaila Vachla David Geneste invité jeune yo pour suivre Trasneti nan façon y a engagé yo nan bataille pour améliorer conditions la vie si la ki pi faible yo. On suit. Maintenant, vous pouvez être en jeu. Il est tombé à la parole. C'est mal. Non, c'était une exécution. Il a exécuté pour conviction, pour conviction politique. Il a exécuté pour idéologie. Il a exécuté surtout pour détermination. Pour te défendre cause, ça qui est plus faible. Et c'est ça qui fait nous battre jambes, si ce n'est pas de justice pour nos vies. À tout le monde qui mourit dans la condition, ça y est. Merci, merci pour tout sacrifice pour faire pour le pays. Et nous-mêmes, par côté de nous, nous voulons saisir l'occasion ça pour nous demander un cessez-le-feu, pour nous demander une observation de dégel politique. Violence fait que engendrer violence. Nous ne pouvons pas résoudre le problème pays si nous n'avons pas choisi la voie de l'unité, si nous n'avons pas choisi la voie du consensus et la voie du dialogue permanent. Donc, il n'est du clair aller, mais il trace le chemin pour les jeunes pour engager. Pour engager dans le combat pour que nous soyons capables d'améliorer les gens qui vivent dans le pays. Pour nous mener un combat pour que chaque grain d'eau, chaque grain d'eau qui entre dans la caisse de l'État, soit utilisé à bon escient, soit utilisé de manière rationnelle. Pour que y ait plus de bataille qui fait pour mettre plus l'école, plus l'université. Pour mettre plus l'école professionnelle, pour créer plus de jobs et pour la jeunesse là, plus espoir pour l'éternel pays. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour t'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne là. Et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de jouer nous, son babé à chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.